Salut et bienvenue sur la chaîne de l'apéro. Aujourd'hui, je te propose une recette facile, rapide et délicieuse. La baguette quiche. Cette recette est issue de mon livre « Juste une baguette » paru aux éditions Marabout. Si tu veux en voir plus sur le livre, reste en fin de vidéo, je te le fais feuilleter. Alors si tu aimes la vidéo, je t'invite à commenter, à partager et à mettre un max de pouces bleus parce que j'en ai besoin pour me faire connaître. Donc je compte sur toi et place à la recette. Alors on va prendre une baguette de pain. Dans mon cas, c'est une tradition céréale, mais bien sûr ça marche avec n'importe quelle baguette. Alors on va découper la partie supérieure du pain de manière à former une sorte de couvercle qu'on va arracher. Donc allez-y mollo pour pas déformer tout le pain à côté. Ensuite, on tasse la mie à l'intérieur de la baguette et on s'occupe de l'appareil à quiche. Donc 3 œufs, de la crème liquide, du poivre, éventuellement du sel si vous aimez très salé. Et on mélange. On a besoin d'un mélange bien homogène. Donc on va le réserver et on va passer à la cuisson des lardons. Alors cette étape n'est pas indispensable. Là, je les ai rajoutés pour un petit peu plus de gourmandise. Si vous n'en mettez pas, salez l'appareil à quiche. On va les disposer de manière homogène dans la baguette et ajouter les cubes de jambon. Ensuite, on remplit avec l'appareil à quiche. Alors attention de ne pas déborder, donc on y va doucement. Et on va saupoudrer de mozza râpé, mais on peut aussi mettre de l'emmental ou du comté râpé, par exemple, plus de gourmandise. On enfourne à 180 degrés pendant 30 minutes et on obtient un résultat fondant et craquant à la fois. C'est absolument délicieux, vous ne pourrez plus manger de la quiche autrement. On coupe des petites parts comme ça et on sert pour l'apéro. Cette recette est issue de mon livre Juste une baguette avec des photos de David Japy et un stylisme de Christine Légeret. Je te propose là de le découvrir rapidement, mais si tu veux en savoir plus, regarde les liens en barre d'infos. À bientôt sur la chaîne de l'apéro et n'oublie pas de t'abonner.